Eh ben, c'est pas trop tôt. Où suis-je? Oh, je connais cette tête. Oh, c'est chiant. Oui, je vous ressemble. C'est normal. D'accord? Laissez-moi quelques minutes pour remplir ce formulaire. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Qu'est-ce que c'est que... On fait comme ça. Bon, je pense que j'ai fini. Oui, si. Oh! Oh, j'ai oublié. Ah. Je suis désolé, monsieur Anderson. Vous êtes mort. Ouais. Ouais, c'est dommage. Allez-y, signez. Je suis mort. C'est plaisanterie. Comment? Comment je suis mort? Après un rapport détaillé, il s'agirait d'un accident. Enfin, un accident, c'est très vaste. On vous a tué. Mais pour nous, c'est dans la catégorie accident. Il avait mal tout de même. Oh, très bien. Donnez-le-moi, je vous prie. Ah, merci. Oh, en fait, je m'appelle Derek. Bon, choisissez une des deux portes. À quoi elles servent? Cette porte-là retrace ta vie sans la modifier. Tu pourras connaître tes bonheurs, tes malheurs. Des moments sympas avec tes potes, ta petite copine. Enfin bref, la vie quoi. Celui-là par contre, c'est le terminus. Il y a tous les âmes qui vont là-bas. Toutes. Toutes les âmes. Dans ce terminus. Ça va dans une autre dimension que vous appelez paradis. C'est tout. Je pourrais pas mettre un autre système, bordel! Deux secondes, connard, hein? Je sais que c'est bizarre, mais bon, c'est notre système. Tu fais quoi, Connor? Je me disais bien qu'il y avait un truc pas net. Tu sais quoi? Ça a un rapport avec cette lettre. Il y a ton nom écrit dessus. Ouais. Intéressant. Tu sais ce que c'est un sans-âme, Connor? Non, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une secte? Tu as un cas très rare, Connor. Je vais te raconter une histoire. Je suis ce qu'on appelle un gardien. On est plusieurs. Mais là, tu es dans une de mes instances que j'ai personnalisée pour croire que c'est ton chez-toi. Et à cause de ce d'en haut là, je ressemble à toi. Des fois,
Une infime partie des personnes. Une infime partie de morts. Ne viennent pas chez les gardiens. Trop de place, trop de bordel. Ils reviennent sur Terre. Ils reviennent sur Terre. Ouais, ils reviennent sur Terre. On les appelle les âmes perdues. Toi, tu es un sans-âme. Et un sans-âme, c'est un cas très rare. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as été tué par une âme perdue. Pour qu'il prenne ton corps. Bien sûr, il ressemblera à la... il ressemblera à lui, mais c'est ton corps. Je suis sûr que quand t'as vu cette porte là-bas, je t'avais dit, t'as cru que c'était la porte de sortie? Eh ben, tu as raison. C'est la porte de sortie. T'as envie de te venger? Je comprends, j'aurais fait la même chose. Ça ferait un putain de scénario. Ouais, t'as raison, un putain de scénario. Mais je suis désolé, je pourrais pas. Je peux pas. T'es là, tu n'es pas avec eux. Mais tu es là, tu es en face de moi. Donc, choisis cette porte. Ou si tu essayes de t'échapper à cette porte. Tu fais quoi là? T'avais dit que j'avais des super pouvoirs. Enfin, que j'ai contré ton super pouvoir. Je pense que j'ai aussi un pouvoir, non? Je sais que tu as ce pouvoir. Tu peux me tuer, mais oseras-tu le faire? Et même si tu me tues, tu devras retrouver ton tueur, mais tu connais pas son visage. Il te faudra de la chance, non? Et laisse-moi te dire une chose, je vais te retrouver et je vais te ramener dans la peau du cul. Je suis ainsi, ça va. J'aurais pu te mettre en enfer pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'en souviens plus? Et tu ne veux pas savoir. Faut que je te raconte l'histoire de ta sœur, Connor. Ferme-la. Ferme-la, je te dis! T'as pas le droit de parler de ça. Allez, tire! Tire! Mais tu vas tirer, bon sang!